Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Sora. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, deuxième épisode de The Last of Us. Merci pour tous les retours que vous m'avez donnés lors du premier épisode, c'était ouf. On est arrivé à 15 000, 16 000 pouces bleus. Beaucoup de retours positifs dans les commentaires. Du coup, j'ai hâte de voir si ce deuxième épisode va autant vous plaire. Et si vraiment, officiellement, on lance le let's play. C'est vraiment à cet épisode-là que je vais pouvoir me faire une idée. Du coup, on continue, moi le jeu me plaît, on tente. On ne perd pas plus de temps, on y va, let's go. Du coup les amis, on s'est arrêté ici avec Joël, on avait perdu notre petite fille, vous l'avez vu, ça vous a tous brisé le cœur et moi aussi, j'avoue que j'étais pas prêt pour autant de violence dès le début, mais on est 20 ans plus tard et Joël, à part qu'il a pris un sacré coup de vieux, eh bien on a rejoint une autre personne qu'on ne connaissait pas avant, qui s'appelle Tess. Regarde ça, le rationnement n'est pas encore ouvert, on doit encore manquer de provisions. D'accord. Et du coup, on doit aller voir un certain Robert ou je sais pas trop quoi parce que apparemment il a envoyé des mecs taper Tess et nous, on va le défoncer. En gros, c'est ça, on va le défoncer. Oh. What the fuck? D'accord. S'ils sont infectés, ils les tuent. D'accord. C'est horrible. Ok. Du coup, je me doute qu'on doit aller par là, nous. Ah. On a eu de nouveaux papiers? Magnifique, super. Ok, je pense qu'ils vont nous scanner, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pris ma journée. Je vais voir un ami. C'est bon, vous pouvez passer. Hey, what the fuck? Évidemment, bah oui! Des lucioles, très bien. Ah oui, c'est l'espèce de révolutionnaire ou je sais pas trop quoi. Ok, ok, on part, on part. Ok, on court, on court. D'accord, je sprint comme ça. Putain, évidemment, on a vraiment le karma le moins positif du monde. Hein. Joël, il est vraiment, vraiment, mais poisseux de fou. Ok, on passe par là. Pour l'instant, on n'a pas trouvé à quoi ressemblent les infectés. Ah d'accord, faut que je me rafistole. Super. Bah écoute, je me rafistole. Kit médical. Alors, on peut soigner nos blessures avec un kit médical. Ok. Alors, on s'équipe comme ça. Et je le mets comme ça. Ok. Ah ouais, l'explosion, elle m'a enlevé la moitié de ma vie. Super. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Super. J'ai hâte. Avec des zombies? On laisse Robert s'en tirer. C'est ça. Hey Tess, t'as vu ce bordel? J'y étais. Flippé lui. Ça donne quoi dans le tunnel est? RAS. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez? On va rendre visite à Robert. Robert. Vous aussi? Qui d'autre s'intéresse à lui? Marlène. Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène? Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert? Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord? L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Ok, donc on n'est pas les seuls à vouloir défoncer Robert. Il n'a pas beaucoup d'amis, lui, hein. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. Et apparemment, on fait pas partie des Lucioles non plus, donc je sais pas trop quel est le rôle des Lucioles et nous, quel est notre rôle dans tout ça, parce qu'au final, nous, on n'a pas spécialement de... T'arrives quoi, toi? On n'a pas spécialement de rôle. Salut les gars, comment ça va? Bah ça va très bien. Le bordel dehors. Ah non, ça va pas si bien. Comment ça se passe ici? Ah, c'est calme. Aucun signe de soldat ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. On fait quoi? Ah, il y a un passage secret. Ok, tu veux que je t'aide? Joël, tu peux m'aider à pousser ça? Tu veux que je t'aide? Alors... Allez, let's go. Tac. Voilà, on est bien. C'est vraiment le passage secret le moins secret du monde. Hein. Clairement, c'est un scandale. Tout le monde peut le voir. Tout le monde. Hop. Super. Voilà. Il devrait vraiment faire gaffe à ce qu'il jette ici. Je vois rien surtout. Ok. C'est flippant cet endroit. Allons prendre notre matos. Ah, même pas je me balade là-dedans. Hein. Quand je sais qu'il y a des infectés ou des zombies, même pas je me balade là-dedans. T'es malade ou quoi? Il y en a un, il arrive, je fais un AVC. Alors. Ah, on doit récupérer notre équipement. Oh. Oh. Ah, ça j'aime bien. Ah, ça j'aime bien. J'avoue que quand on a des infectés, tant qu'à faire, autant en avoir un peu. Ok, super. On a notre petit sac à dos. Joël l'explorateur. On peut recharger. D'accord. Et comment je vise? Comme ça. Ok, ensuite je tire. Bon, je vais pas essayer de tirer sur elle quand même, on va éviter. Fais-moi grimper.
Je te fais grimper là? Ok. Allez, vas-y, test. Prêt? Let's go! Magnifique. Et nous, comment on fait? On peut pas? Aide-moi, Tess! Allez. Super. Hop là. Bon, en vrai, on aurait pu le faire tout seul. Yes. Parfait. Alors. On va pouvoir sortir. Tac. Allez. Mais du coup, là, est-ce qu'on est en zone infectée ou est-ce qu'on est en zone sûre? Je me pose la question parce que... Ah ouais. Je le suis toujours, non? Question piège. T'as pas l'air très très sûr en effet. Alors, je pense pas qu'on doit être en. T'étais pas venu ici. En zone sûre. On dirait un rencard. C'est joli. Ouais, ben je suis du genre romantique. T'as d'autres atouts. C'est super joli. Par contre, je sais pas trop où est-ce qu'on doit aller, mais c'est très joli. Elle est où l'échelle? Elle doit être quelque part dans le coin. Super. Faut que je trouve une échelle. Génial. Une échelle. Non mais les gars, je sais pas où elle est votre échelle moi. Ah, elle est ici. Ah ouais, non mais ok. J'aurais fait tout le tour de la ville avant de la trouver, c'est sûr. Hein. Alors, du coup, faut que je fasse quoi maintenant? Faut que je la mette là? Allez, vas-y Joël, montre-nous ta force. Non, alors pas comme ça, Joël. Alors non, c'est pas comme ça qu'on met une échelle, Joël. Là, on va pas trop tôt se sortir. Voilà, on la met comme ça. Parfait. Honneur aux dames. Comment ça, honneur aux dames? Dame, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tout est relatif. Par ici. Alors. Ah, on a une lampe torche, yes. Ok, ça c'est good. Alors. Oh là, c'est glauque. Comment je serais tellement pas serein. Est-ce que vous, les amis, vous auriez le courage de vous balader comme ça? Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir l'écouler facilement. Attends. Des sports. Oh. Comment c'est des sports? Ah, mais ça sent pas bon, ça. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent? Wow. Il y avait rien la dernière fois. Super. Bah c'est vraiment cool. C'est vraiment méga méga rassurant. Ah, tu te réveilles pas, hein? On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Ah mais tu te réveilles pas quand même, hein? Oh merde! Quoi? Ça va? Ouais. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. J'aime bien le... Elle nous a demandé d'être discret il y a deux secondes, hein. On a déjà pété le plafond. Non mais c'est cool, c'est cool. On commence bien, la discrétion avant tout. On apprécie. Doucement. Ok. Putain. Oh. Mon masque pété. Ne me laissez pas muter. Pitié. Oh, c'est horrible, je peux le tuer? Oh. Bon, fermez les yeux. Voilà. Je suis désolé, mais... Attends, t'es pas mort? Si, quand même. Ouais, mais le pauvre, au final, le mec est piégé, il va mourir, il va se transformer en mutant, en infecté zombie, là. Tant qu'à faire, autant que je lui abrège ses souffrances. C'est horrible, je peux pas le laisser... Enfin, il me le demande. Je le fais, quoi. Oh, c'est chaud. Chut, sois discret, sois discret. Wow! Maintenez R1 pour contrôler Louis. Ok. Oh! Il y a combien? Il y en a 3? C'est chaud, les amis, c'est la merde! Approchez discrètement de l'infecté et rattrapez-le. Ok. Discrètement. Et j'attrape! Ok, je le tue comme ça, j'étrangle. Ok, chut! Fais pas de bruit, fais pas de bruit, s'il te plaît, fais pas de bruit. Ok. Je peux refaire ça, d'accord. Je fais quoi maintenant? Je vais les laisser graille, hein. Franchement, mangez, les gars! Vous occupez pas de moi. J'éteins la lumière. Je les tue ou pas? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Elle se fout de ma gueule! Mais pourquoi tu... Moi je suis en train de m'accroupir et l'autre elle fait quoi? Elle taille un sprint! Mais tu le fais exprès! Dégage toi! Non non! Aïe! C'est dur, c'est dur! Mais c'est ultra dur de viser! Dégage! Voilà! Mais c'est tellement dur de viser, c'est incroyable! Oh oh! Dégage! Hop là! Tu la fermes! Allez c'est bon! Petite patate, là, c'est bon. Ça coche de toi aussi. Elle est relou. Vous avez vu? Elle a tapé un sprint, genre, au calme, vraiment, aucun problème. Peut-être tu saoules aussi. Moi, je suis censé faire comment si j'ai un boulet avec moi? Ah, des munitions. Comment je la récupère? Comme ça. Ok. Je vais recharger. Par contre, voilà, elle m'en voulait pas si je vise mal. Mais waouh! Le viseur, il part en crise d'épilepsie, c'est n'importe quoi. Du coup, je dois aller où? Je dois aller en haut? Je sais pas du tout. Oh. Ah, je pense qu'il fallait aller là. Ouais. Par contre, à voir, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à récupérer ici? Ah, un truc à manger, une note,
Bon bah écoutez, c'est toujours bon à prendre. Hein. Ok, et bah écoutez, on s'en va. Et bah c'était cool, au moins on a eu une petite... un petit avant-goût désinfecté. Ça m'a calmé, hein. Ils m'ont calmé, hein. Un peu d'air frais. Ah bah tu m'étonnes. Alors. Une chose que j'aime ici. L'horreur de l'odeur qui est en ville. Ouais, enfin bon, moi je préfère la ville, hein. Désodorisant habile. Franchement, à choisir, je préfère la ville, hein. Y'a pas de problème, les gars. Je peux m'en contenter, parce que bon, un zombie, bah c'est pas fou, quoi, niveau ambiance. C'est bon. Couvre l'entrée. Super cachette encore une fois. Des pros du camouflage, on peut le remarquer. Ça fait plaisir. Et voilà, moi aussi je peux le faire, faut pas déconner. Hop, parfait. Oula, d'accord. Vas-y, moi aussi je le fais. Yeah. D'accord, je peux pas, très bien. La planche est tombée. Ouais, j'imagine que c'est moi qui vais la chercher, c'est ça? Bah voyons. Ok, je la rends. Voilà. Je te la file. Yes. Vas-y, passe-la moi. Bah j'arrive, j'arrive. Tiens, prends. Hop. Tac, c'est bon. Tu peux la prendre. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. Comment je regrimpe, moi? D'accord. Par là? Ah, ok, ici. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, j'aurais pu amener la planche ici aussi, hein. Hop. Et parfait. Allez, on passe. Bon, Tess, let's go, là, on n'a pas le temps. Par contre, je sais pas où il est, Robert, mais putain, il est bien caché, hein, la vache. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats ici. Mec, il a pas le temps. Hein. C'est bon, on y va. Super. Allez, vraiment. La meuf, elle a regardé 3 secondes devant elle. C'est bon, il n'y a personne. Franchement. Putain, mais en vrai, il faut vraiment pas que je lui confie ma vie à elle. Je suis mort en 10 minutes. Oh là. Ferme-la. Alors déjà, tu me dis pas de la fermer. Ok, je la ferme si je veux. Par contre, c'est bien bien glauque d'un coup. Mais hé, je fais ce que je veux, ok? Je les ramasse. Parce que j'ai envie de la ramasser, ok? Pas parce que tu me l'as demandé, mais parce que j'en ai besoin. Hop, et vu comment je tire comme un pied, franchement, vaut mieux que j'ai beaucoup de munitions. Regarde si la voie est libre. Pas de soldats, pas d'homme de Robert, ok? En fait, ça... Je sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. Ça marche en carte de rationnement, en fait. Tellement c'est la dèche au niveau de la nourriture et tout. C'est triste, en vrai. Je crois c'est que ça bon. Veut dire c'est bon. Allez. Yes. On y va. Ah ouais. Test. Il m'appelle, comment ça va aujourd'hui? Non, c'est bon, j'ai la carte. Wow. Ils sont chelous, les gens. Ok. Ils font flipper les gens! Pourquoi tu te lèves? Toi, reste assis, non? Flippant les gens! Ouais. Toi, tu vas te lever, c'était sûr. Ok, on y va. Putain, Tess, elle a pas le temps! La reine de la street, tout le monde la respecte et tout. Du coup, on va où maintenant? Je cherche Robert. Vous l'auriez pas vu? Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. Ok. Eh ben écoute, go. On va aller le voir. Alors, Robert. Wouhou. C'est parti. Ça sent pas bon. Et eux, ils ont des flingues, c'est pas désinfecté. Tu parles pas? Il fera pas de mal. Juste putain, le bug, what the fuck? Putain, c'est le mec, il a un super pouvoir, il parle après. C'est fou. Mais waouh! Quel talent, il est ventriloque en fait. Ah d'accord, très bien. Donc vraiment, elle avait zéro le temps de niaiser, d'accord, très bien. Et doucement. Aïe, oh! Allez, ça dégage! Vas-y. Quoi, t'es pas mort? Ok, c'est bon, il est mort lui, je pense. Non! Et lui aussi, c'est bon! Ok! Eh ben, on est bien! C'était pas si long que ça, les gars! Hop, je récupère les munitions, hein, vous m'en voudrez pas. Hop! Voilà. Comment il a fait pour tous les rameuter? Robert est doué pour une seule chose: rédiger des chèques en blanc. Très bien, et eh ben, écoute, magnifique! Allez, let's go. Tac. À ton tour maintenant. À un moment, elle va me lâcher et je vais me retrouver tout seul comme une merde. C'est bon.
Voilà. Putain, j'espère que ça vaut le coup d'aller voir le Robert, hein, parce que la vache, laisse tomber, hein, toute notre vie on donne pour aller le voir. Hein. Ah ah, est-ce qu'on serait pas arrivé au quai justement? J'entends un petit peu le bruit de la mer, les mouettes. Est-ce qu'on serait pas arrivé? Encore des gars de Robert. Bon, eux aussi, du coup, ils sont arrivés. Je les vois. Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Ah. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Ah! Putain. On aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas le choix. Séparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde ici. D'accord. Ok. Attends, attends, vas-y, moi aussi j'y vais. Attends moi, tu vas trop vite, vite. Allez, je suis prêt, c'est bon, je l'ai. Je l'étrangle, je l'étrangle. Ah, je pouvais le déplacer, non. Putain, je vais pas être discret du tout. Ok, bon, et pour l'instant ça va. Comment je fais pour le défoncer, lui? Ah, il y a une porte là-bas. Personne me voit, personne me voit, je suis invisible. Magnifique. Tess, attends-moi, j'arrive, j'arrive. C'est quoi ça, du soin? Magnifique. Celui que tu veux, je m'occupe de l'autre. Ok, je prends lui là à gauche là. J'ai un cousin avec eux. Un. Sérieux? Deux. Trois. Ok, let's go. Voilà. Mais vas-y, dépêche-toi, Tess. Mais elle sert vraiment à rien, c'est fou. Ok, c'est bon. Eux, c'est bon. Ah, la clé, nickel. J'ai une clé. Super. La clé, je sais pas à quoi elle sert, mais j'ai une clé. Est-ce que c'est pour aller par là-bas? Yes, c'est bien ça. Hop. Alors. Encore. Putain, mais il y en a combien? J'ai une bouteille. Oh, je peux faire diversion. Comment je fais? Comment je prends la bouteille? Comme ça. Là. Je sais pas trop trop si c'est ce que je devais faire. Ils sont combien? Ils sont beaucoup en plus, hein. Ouais. Oh, enfin, ils sont deux en vrai, mais... Salut les gars, ça va? Non, mais... Mais comment j'ai pu rater ça? Ok, c'est bon, lui il est mort. Lui il est mort aussi. Ok, c'est bon. J'espère qu'il n'y en avait pas d'autres parce que j'ai foiré ma... Oh, il y en avait un autre. Non, il y en avait un autre! Je vise comme un pied, c'est scandaleux. J'ai plus de balles! Aïe, 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 aïe! Dégage! Ok, c'est bon. Putain, mais c'était chaud aussi. Eh, franchement, non, mais la vérité, vous me croyez pas, mais je vous promets que c'est pas évident en vrai. C'est super difficile. Ils avaient pas de balles, bah forcément, bah oui, bah voyons. Du coup, je vais où? Je vais en haut? Je sais pas. Ah. Y'a encore. Oh! Non, non! Pas moi. Y'a personne. Salut, ça va? Allez, ça dégage. Oh non! Oh non! Pourquoi je suis le mec le moins discret du monde? Pourquoi? Encore des bouteilles? C'est bon, les bouteilles, j'ai assez, les gars. Je crois que niveau bouteilles, j'en ai pour 25 ans. Ok, je descends. Youhou! Ah! Ah! Il est où? Il est où? Aïe 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 aïe! Il est où? Mais il est où? Je crois que le mec il est en haut en fait, hein. Le mec il est invisible! C'est Violette des Indestructibles! Il est là, ok, je l'ai vu, c'est bon, lui je l'ai vu. Non, 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 non! Non! Je vais mourir! Dégage! Ok, c'est bon, j'ai eu trop de chance, oh là là! J'ai eu beaucoup de chance. Ouais, je sais. Je vais me soigner. C'est bon, les amis. Je me soigne, ok, on est bien. Alors, est-ce que Robert. Tu peux s'il te plaît ouvrir? Ok, vas-y go. Ah d'accord, ok. Ouvre-moi ça, Joël. Magnifique. Voilà, parfait. Il y a encore des mecs. Les gars, vous êtes combien encore? Ah, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ah, Robert, mais oui, c'est lui. Je le reconnais. Je le reconnais pas. Ah, très bien, d'accord. Bah, elle l'aime pas beaucoup. Elle l'aime pas du tout. Ah, donc les gars, zéro discrétion. Ok, super. Mais ils sont beaucoup trop... Il faut qu'on réfléchisse. Oh bah ouais, faut qu'on réfléchisse, moi c'est pas mon truc ça, réfléchir, moi je veux tuer tout le monde, c'est bon, c'est fini. Oh, c'est quoi ça? Un surin. Ok, c'est une arme furtive. Approchez l'extrême d'un ennemi, attrapez-le avec triangle, puis appuyez à nouveau. D'accord, donc je peux le tuer avec ça. D'accord, bah cool, c'est bon à savoir. Cet enfoiré de Robert ferait bien de tenir parole. Ok, allez vite. Chut. On le prend un petit peu. Et on l'étrangle, ok, on le met là, hop. Comme ça. Personne ne le voit. Discrétion. Eh, hey, ils m'ont dit réfléchis. Je réfléchis. Voilà, magnifique. Il y a une brique. Moi, les briques, ça me connaît. Très bien. C'est pas forcément ce que je voulais faire. Il est où le mec? Il est là. Vas-y, viens. Oh non, il m'a vu. Aïe, 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 aïe. Ah, oh, mais c'est elle qui m'a cramé. Mais Tess, t'es relou un peu, hein. Faut que je me cache. Aïe. Non. Je vais mourir! Ok, dégage! C'est bon! Encore! Eh mec, on meurt s'il te plaît! Ok, encore! Allez, je le tue! Hop, c'est bon!
Oh oh, alors là par contre c'est un problème. Là c'est un gros problème. Vite, non, je vais mourir. J'ai plus de balles les amis, je fais comment? Allez allez allez, vite. Yes, c'est bon. Ok, 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 ok. Wouh. Des balles, des balles, des balles, vite. Mais t'es toujours en train de t'embrouler avec lui. Oh là là, mais Tess, laisse-moi faire, je te montre. Voilà, on fait comme ça. Allez, ça dégage, et je termine. Allez, ça dégage, voilà. Tu dégages, tu m'énerves. Oh, je peux lui prendre sa batte. Oh, je peux prendre son mot de bois. Magnifique, incroyable. Alors, maintenant je fais quoi? Parce que j'ai plus de vie, hein. J'ai plus de vie, c'est vraiment la dèche. Je vais où? Tess, je ne sais pas où aller. Tess, ah, t'es là. Super. Robert a dû s'y réfugier. Magnifique, on y va. Let's go. Salut, ça va? Je fais que passer si jamais. Ok. Reculez, bordel. On veut juste parler, Robert. On a rien du tout à se dire, putain. Il a pas l'air ultra sourd. Hein. Allez vous faire foutre. Ah. Attends, t'inquiète, moi je cours, y'a pas de problème. Robert. Oui, Robert. Reviens ici. Alors, non, Robert, je t'explique, voilà. Allez, vite, vite, vite. On court, on court, on court, on court, on court. Yes, hop. Oh là là, ce champion d'athlétisme depuis 1985, c'est incroyable. Il est où? Il est où? Par là? Je sais pas du tout où je vais, mais. Ah. Ah, ça c'est con ça! C'est bête ça, c'est vraiment très bête! Tess? Joël? Sans rancune, pas vrai? Exactement. Ok. Oh putain! Oh. Tu nous as manqué. Écoutez, normal. J'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste. Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... C'est compliqué. D'accord? Mmh. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois... Ah ah, merde. Ça calme. Ah, ah non, stop, ah non. Stop, arrête. Stop. Putain, merde. Tu vas vraiment lui péter le bras? Tu disais... Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous. Mais t'as misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. Je vais lui péter le bras, c'est sûr. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez. Qui a nos armes? Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Foiré. Qui a nos armes? C'est les Lucioles. Je les ai vendus aux Lucioles. Quoi? Écoutez, ils sont presque tous morts. On a qu'à y aller et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on s'en fout des Lucioles. Elle va le tuer, c'est sûr, elle va le tuer. C'est vraiment une idée de merde. On était sûr. Une balle suffisait par contre. Hein. Et maintenant? On va récupérer notre marchandise. Comment? J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute, allons voir une Luciole. Pas besoin d'aller très loin. Ah, salut. Eh ben voilà. La reine des Lucioles. Oh. Pourquoi vous êtes là? Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où est Robert? Plus trop vivant. Il me le fallait vivant. Les armes qu'il t'a données, elles n'étaient pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer? Faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin? Rien à faire des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as? D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Je dois y peut-être aller. Peut-être plus tard, ouais, peut-être vous plus tard. Vous en dites quoi? Je veux voir ces armes. Suivez-moi. Ok. On doit partir d'ici, maintenant! Bah, je veux bien, on part! T'es où, si t'es où? Vous êtes partant, ok. Il faut qu'on bouge. Bah, on bouge, y'a pas de problème! On bouge où? Bah, je te suis. Moi, je connais pas, hein, donc. Venez. Hop.
Alors, tu veux aller où? D'accord, putain, elle a pas le temps. Elle a une balle dans le... Elle a une balle dans le... dans l'abdomen, mais y a pas de problème. Oh, elle peut monter les échelles, elle peut sauter, courir. Au final, les balles, est-ce que ça a vraiment fait déjà du mal à quelqu'un? Je sais pas. On va monter, de toute façon, on va la suivre, hein. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de mission ou d'objectif. Juste, on survit. Oula. Oula. Bordel de merde. Ce sont les Lucioles? Ce qu'il en reste. Pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide? Par ici. Oh là là, stylé. On va où maintenant? Pourquoi maintenant? On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. On essaie simplement de se défendre. Ok. Tac. Il y a des trucs à récupérer. Je récupère, tu m'en veux pas. Voilà, des pièces. Oh, je récupère tout. Hein. Y a pas de problème, moi je suis un pickpocket, je suis kleptomane. Hein. Tout ce que je vois, je prends. Y a pas de problème. Tu veux peut-être que je t'aide un petit peu, non? Joël, donne-moi un coup de main. Ouais, bon, je sais bien ce que je pensais. T'avais pas l'air de super bien t'en sortir. Allez. Allez. Voilà. Alors... Ça ira. Ah, en vrai, vite fait, en vrai, hein. Encore? Mais les gars, vous allez jamais nous laisser tranquille. Stop. Des soldats. C'est la sortie. La porte sous le pont. Ok. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors. Même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On y va, on le défonce, on passe. Moi, ça me va comme plan. Je sais pas vous, mais moi, ça me va. Hein. Ok. Moi, je cours. Voilà, j'ai pas le temps, les gars. On doit atteindre cette porte. Eh ben, on y va, on y va. Tac, 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 tac. Vite, vite, on court. Pas de discrétion, on court. Ok, discrétion. Discrétion, en fait. Bonne discrétion, même. Hein. Oh, par contre, je veux bien me soigner, j'avoue. Non. Comme ça, voilà. Je prends celui-là. Faites le tour pour l'autre. Eh ben, attends, laisse-moi le temps. Magnifique. Je fais le tour. Hop. Ok, je prends lui. Tac. C'est bon, go. Je vais l'étrangler, je le mets là. Ok, c'est bon. On est bien, les amis, on est bien. Ouh. Putain, elle met la pression l'autre là. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup ou pas? Oh, il a tout qu'à récupérer. Moi je récupère. Oui, du scotch. Écoute, peut-être, mais... Ah, d'accord, très bien. C'est pas par là. Ok, très bien. Doucement. Chut, doucement. Tu fais trop de bruit. Ok. Lui, on le chope. On l'étrangle. Ok. Par contre, on son pâte à côté. Il y a son pâte à côté. Vite, dépêchez-vous. Allez le neutraliser là, vite. C'est moi qui dois tout faire. Ok, super. Donc c'est vraiment moi qui dois tout... Oh, il y avait des balles. Je récupère. Ok, il y en a 3. Non, il y en a 2. Ok, je fais comment, moi, du coup? Il y a lui, là. Je fais comment pour m'en débarrasser? Je vais attendre. Oh, il y en a un troisième qui arrive. Non, mais les gars, s'il vous plaît, respectez-moi. Wow. Super. Donc c'est clairement impossible, en fait. Oh, non. Non, c'est pas moi. Vous êtes trompé. Ah, non. Aïe. J'avoue que mon bout de bois, c'est pas la folie. Hein. Aïe. Ah, dégage. Allez, hop, là. Ça dégage. Yes, c'est bon. Hop. Aïe, ça fait mal, ça, par contre. À ce qui paraît, ça fait mal. Aïe, ça aussi, ça fait mal. Dégage. Hop. Ish. Ah, je l'ai raté de peu. Ok, c'est bon. Par contre, il va me tuer, l'autre. Hein. Non, dégage. Ok. J'ai absolument pas fait exprès. Mais on va dire que c'était prévu. J'étais prévu. Les balles étaient évidemment bien visées. C'était fait exprès. Et voilà la fameuse porte. Voilà, parfait. Bah ça c'est une bonne idée, vous voyez. Voilà, là c'est une première bonne idée. Super. Où est-ce qu'on va, Marlène? Ah, c'est Marlène, c'est elle, Marlène. Par ici. Ok. On est plus très loin, hein. J'ai l'impression qu'on fait un marathon depuis tout à l'heure. Frère, elle m'emmène dans un autre pays, en fait. Elle va mourir, c'est sûr, hein. Elle est pas très bien niveau santé. J'avoue qu'on sait toujours pas ce qu'elle veut qu'on fasse sortir de la ville, en fait. Même si en vrai je m'en doute un petit peu. Je m'en doute même beaucoup. Mais j'attends de la voir pour au final avoir la confirmation. Joël, donne-moi un coup de main. Ok, vas-y, j'ouvre la porte avec toi. Et du coup... Oh. Attends un peu, relève-toi. T'approches pas d'elle. Ah, je m'en doutais. Lâche-la. La voix, la fameuse petite fille. Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeune? C'est pas une luciole. Oh, merde! Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Et ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste. Ellie, c'est notre seule chance. C'est Ellie, c'est bien elle. Et... Elle est mignonne, elle est trop mignonne. C'est elle qu'on fait sortir. Un groupe de lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire.
vous la déposez et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où? À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vues. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes, et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense pas que ce soit une blague. La merde, je fais pas avec lui. Super, ça commence bien les gars. Ça commence très bien. Tu les connais d'où? J'étais amie avec son frère Tommy. Ah. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. D'accord. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice? Il t'a quitté aussi. C'était un type bien. T'as qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène. Assez discuté. Tout ira bien. D'accord. Donc c'est comme ça qu'on rencontre Ellie. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Bah pour un début de relation, c'est pas fou, hein. Mais on va s'en contenter, ok, on va s'en contenter. Et nous voilà avec Ellie. Et bah écoutez les amis, on va s'arrêter ici. Je pense qu'on a quand même pas mal avancé. On a du coup maintenant Ellie, c'est elle normalement qui va nous accompagner pendant tout le jeu. Et si jamais l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, que je sache vraiment si vous voulez qu'on fasse ce let's play. Voilà à quoi ressemble le jeu. Ça va être de la survie, de l'infiltration. Évidemment là on a vu beaucoup d'humains, mais puisqu'on va sortir de la ville, eh bien on va voir plus que des infectés partout. Ça va être un bordel, mais ça va être super cool. J'espère en tout cas que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire pour me dire encore une fois ce que vous en avez pensé. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Abonnez-vous à la chaîne évidemment pour ne rien louper en cliquant ici. Regardez mes dernières vidéos en cliquant ici et ici. Et n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora. Ciao ciao tout le monde. Right now, but it's something.